Les cérémonies de récompense au 237. Et ne vous êtes pas oublié, hein? Je suis là. Je ne peux pas vous rater. C'est juste qu'on était un peu occupé pour le combat de Ngannou. Je vois depuis ce matin sur la toile, certaines personnes font des poses pleines. Vraiment, la cérémonie d'hier là, c'était bizarre. La cérémonie d'hier, d'autres ont eu la récompense qui ne méritait pas. Pendant que d'autres n'ont pas eu alors qu'ils méritaient. Si en Arabie Saoudite, on a volé la victoire de Francis Ngannou, c'est au 237 où nous on connaît toutes les réalités du 237 là, qu'on ne peut pas voler la victoire de qui? Les mêmes qui me critiquaient hier, quand j'avais fait ma sortie lors de l'autre cérémonie de récompense à Douala, où je savais que même c'est comment, moi j'avais pris le oui, on allait donner à quelqu'un d'autre. Les mêmes qui m'insultaient que tu n'as pas le mérite, il faut travailler, continuer à travailler. C'est les mêmes que je vois partout sur la toile en train de se plaindre. Ouais, vraiment, et on ne vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas, on va vous apprendre le 237 chaque jour. Quand j'avais dit ça ici, vous avez dit que Franco bavarde trop, non? Confirmez la lecture de l'heure. Depuis ce matin, il voit la photo de celui-ci. On l'appelle Nocris. Partout sur la toile. Oh vraiment, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui est descendu? Ce n'est que le début. Vous allez lire l'heure. Je vous ai dit, les cérémonies de récompense au Cameroun, c'est du business. C'est du business. Rien de sérieux. Excusez-moi, hein? Les cérémonies de récompense, là, c'est pas que je vous sabote. Hein? Moi, je vous dis juste la vérité. Hein? Parce que j'ai l'expérience de ces choses-là. Hein? C'est du business, mon type. C'est vrai aussi, quelque part, on donne un peu quand même à ceux qui méritent. Mais beaucoup, là. C'est les oncles, les tantes, les relations. Tu es ceci, tu es cela. Tu es dans tel clan, tu es dans ceci, tu es machin. C'est ça. J'ai dit aux jeunes, travaillez, cherchez votre argent. J'ai vu quelqu'un, un autre tintin est venu m'insulter que tu ne seras jamais nominé à cette cérémonie qui s'est passée. Pour faire quoi? C'est ça qui Kaby Maraf Kati qui est sur les dents là. C'est ça qui m'a fait acheter ça. Ou bien c'est ça qui paye les impôts ou bien la location ou bien mes employés dans mon entreprise. Quoi? Travaillez. Vous êtes là, vous courez derrière des bois, je ne sais même pas à quoi ça vous sert. Des cérémonies de récompense sans enveloppe. On vous donne ça tous les jours, vous mettez chez vous, ça vous sert à quoi? Vous êtes là, oui, je suis heureux, je vois même certains, vraiment, venez, oui, vraiment, c'est beaucoup d'années de labeur, oui, beaucoup d'années de souffrance, oui, vraiment, ça montre que je travaille. Est-ce que ceux qui partent faire les tournées européennes, les tournées aux États-Unis, partout, et même ceux qui sont là-bas présents, même ceux qui ont eu des trophées, est-ce que vous avez eu ça avant d'aller faire des beaux tournées? Le talent, on connaît comme Ngannou. On l'a pas remis sa ceinture. Mais nous tous, on connaît qu'il est champion. Toi, travaille, mon frère. Le monde, tout le monde va voir ton talent. Tout le monde va dire que oui. Ce n'est pas ça qui montre que tu es quoi que ce soit. C'est lors de un, tout ça. Mettez-vous au travail, cherchez l'argent. Vous allez là, vous courez derrière les bois rabotés, ou c'est le plastique, ou c'est quoi, machin. Je préfère encore même des cérémonies de récompense où, malheureusement, c'est souvent nominé. Nommé, vous appelez maintenant cette année nommé. On voit souvent Malor sortir de ces trucs qu'il a gagné avec les 20 millions, les 10 millions, les 5 millions. Je préfère ça que le bois qu'on rabote, on vous donne sans rien. Vous passez le temps, vous partez chez les grands couturiers, les grands tailleurs. Vous faites des habits chers, machin, pour aller prendre le bois et déposer à la maison. Le bois, que si on veut vendre, même si on veut voir combien on a fabriqué ça, ça n'atteint même pas 5 000. C'est ça que vous prenez, vous gonflez, vous faites des posters, vous gonflez. Oh, je suis meilleur. De quoi? J'ai vu un grand frère qu'on appelle Fingontala. Là. Grand frère, parfois non. Quand il veut te soutenir, il te soutient, mais ici, il veut te dégonfler. Grand frère, c'est l'année passée que tu nous as dit. Tu as fait toi-même la vidéo avec sa main en disant que non, je laisse mes petits, je ne veux plus ça. Mais grand, c'est toi qu'on a appelé hier. J'ai vu sur la vidéo parce que moi, il ne regardait pas la cérémonie. Moi, il regardait moi mon combat. C'est ce matin que j'essaie un peu de parcourir Facebook pour voir. J'ai vu, grand frère, donc toi, on t'a appelé que tu as gagné. On t'a donné, tu as encore repris. Juste à dire merci.
Grand, toi, tu es sérieux. Pourquoi quand on t'a nommé, tu n'as pas dit, tu n'as pas appelé les organisateurs que pardon, enlevez mon nom, mettez plutôt le nom de tête. On te met dans une compétition avec des petits, tu as plus de 30 ans de carrière. On te met avec les enfants qui sont à 2 ans. Tu acceptes. Toi, tu vois où tu te rabaisses, grand frère. Tu te rabaisses. Tu n'es pas un homme de parole. Moi, quand j'ai dit que je ne veux plus qu'on me mette sur une cérémonie de rock, moi, j'assume ce que je dis. Quelqu'un met mon nom dans un truc. Ils sont en train de me comprendre. Donc, personne ne va jamais essayer de faire ça. Moi, je dis que quelqu'un fait ça, il appelle directement, il enlève, sinon il sabote ton événement. Je vous ai dit non. Moi, j'assume ce que je dis, c'est ce que je parle, mes choses que je parle, barbare. Grand frère, toi, tu dis que tu ne veux plus qu'on te nomme dans ces trucs-là. Mais on t'a appelé. Les gens qui ont même voté le grand frère là, maman, ils sont même dépassés sur les cas. Vous voulez le changement. Quelqu'un vous dit que je ne veux plus que je vous courez, vous partez le voter. Vous laissez les enfants, ils sont en train de qui cherchent, qui veulent même avoir ça pour avoir un peu le poids sur le métier. Vous les laissez, vous courez, vous partez voter pour quelqu'un. Sauf si on a seulement remis. Parce qu'on vous connaît avec vos données comme ça, alors qu'on n'a même pas voté. Comme on disait que c'est le business là. Les amis, travaillez, cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Je vous ai dit que ces trucs-là, c'est du business. Grand frère Fingon, si l'année prochaine, on te nomme encore dans le truc-là, tu pars encore. Grand-maman, voilà comment je vais te regarder. Moi, je vais comprendre que toi, là, tu es un blagueur, grand. Faut laisser le rôle à tes petits. Laisse tes petits se battre là. Ils cherchent la visibilité. Ils veulent aussi qu'on les appelle les grands, ceci, les grands. Moi, on n'a pas besoin de ça, mon frère. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les bois, je mets chez moi ça. Petit pays avait même refusé. Ça, on l'avait même forcé. Que tu vas, sauf que on vient te donner. Même si tu vas, il prend, il met à la cuisine. Il prend, il met à la cuisine. Soyez sérieux. J'avais vu même, il y avait une catégorie, là on avait mis les remember, les anciens musiciens camerounais. Tellement on les a critiqués, à la dernière minute ils ont compris que c'était vraiment le vrai d'eux. Mais que les monuments de la musique en compétition, ils ont fait l'effort de donner le trophée à tout le monde. Ça fait quand même que ce que les influenceurs font parfois aussi c'est bien. On vous critique, on se les changer. Ne donnez plus les bois blancs rabotés avec la peinture aux enfants des gens. Donnez-leur l'argent, donnez-leur les enveloppes. C'est ça qui est important. Parce que quelqu'un dépense son transport, il voyait qu'il doit là, il voyait qu'il pour les risques. Avec nos états de route qu'on ne connaît pas, il vient là s'asseoir pour prendre quoi? Qui lui paye le transport? Vous avez dit que les artistes ne s'habillent pas, les artistes sont maigres, les artistes ne prennent pas le poids. Ils vont prendre le poids comment? Avec ce que vous les donnez, ils vont aller manger le bois là-bas. Ou bien après quelques années, on vient vous remettre l'argent. Ou bien ils prennent ça pour aller revendre quelque part, on les donne l'argent. Pardon, hein? Entre-temps, prenez les trophées, bâchez les motos et les taxis. Nous, on n'a pas de trophées. Nous roulons avec nos belles voitures. Oh, wow. Oh, wow. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.